Et salut à tous, c'est Berzekut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve avec Warrock Delta sur Far Cry 5. Donc, comme la dernière fois vous avez vu, on avait libéré un avant-poste, on avait libéré du coup tous les avant-postes de la région de John. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va détruire toutes ses propriétés et on va recruter tous les experts. Donc là on est à côté du premier expert, c'est Boomer. Alors faut le caresser comme ça. C'est tout ce qu'il y a à faire. Toi je sais que tu l'as, Boomer. C'est tout ce qu'il y a à faire pour qu'il soit à toi. D'accord. C'était juste ça? Fallait juste le caresser pour qu'il soit à toi? Il n'y avait pas de mission plus... Boomer, bah oui, du coup, Boomer a été complété. Maintenant, ce qu'on va faire avec Delta... je sais pas. T'es sûr que tu veux détruire cette bagnole? Tu veux pas... Je veux pas aller péder là-bas, là. Tu veux pas plutôt... Non, viens, on va prendre la bagnole avec... Comment ça s'appelle? Non, la détruit pas, on la prend. T'inquiète, je vais en mettre une autre. Attends, t'as l'autre, il me parle là. Pas de barrer là, en fait, je sais pas ce que tu fais. Moi, je répare la bagnole comme ça, on s'en servira plus tard. Voilà, mon problème, tu l'as bien. Bon. Oh. C'est quoi qu'il arrête de parler, lui? C'est bon. Bon, bah, ce qu'on va faire, c'est que tu montes. On va vous épargner les trajets, voilà. Pour vous raccourcir. Vas-y, si t'es une meilleure voiture, donne. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous raccourcir les trajets pour. Vous éviter. Je m'en occupe. Ah, merde, c'est un avion. Pour vous éviter une vidéo trop longue. On vous laisse dès qu'on est, bah du coup, ce qu'on va détruire là, ça va être les propriétés. Donc on vous laisse dès qu'on est à la propriété la plus proche. A tout de suite. Re, donc on se retrouve, on est au premier truc. Putain, on l'a éclaté, mec, ça a duré 5 secondes. Ouais, je te mets un autre point. Attends, arrête-toi, parce que je crois que tu vas vers... là, il est là le prochain silo, tu te diriges pas vers le bon endroit. Il était derrière. Il est derrière. Et je regarde où est-ce que le prochain sera juste à côté de celui que j'ai marqué. Bon, il est à 700 mètres. Donc pareil que pour Ida, on se retrouve dès qu'on est au silo. Je l'ai démonté. Bon, pareil que pour l'autre, on se retrouve dès que j'y suis. Allez, à tout de suite. On est au silo. Bon, on va l'éclater comme d'hab. Voilà, donc je te mets un point au prochain. En même temps, je vous laisse. Il est pas loin. Attends, il est avance tout droit, il est tout droit. Et là, je vous laisse là où je mets les points, comme ça vous voyez où sont les silos. Et le prochain, on ne sait. Ouais, je peux laisser la vidéo, franchement. Ouais. Et le prochain, par contre, on ne sait absolument pas où il est. Donc, du coup, ça va être une grande ellipse que je ferai. Tu crois que je peux essayer de l'avoir d'ici? Par toi. Voilà, éclaté. Il lui reste qu'une seule propriété du coup. Ouais. Bon, on va se laisser là. Ce que je vais faire, c'est qu'on va survoler sa région en hélicoptère ou en avion. Pour voir plus facilement. Et dès qu'on trouvera le silo, on se parachutera. Ok. Bon, du coup, on vous laisse ici. Tu mets un point à l'aéroport, d'accord. C'est un VIP, ça. Attends, bouge pas. Je suis VIP, on y va. Mec, il y a de la fumée partout, je le vois pas. Ah, il est derrière un bus en fait. Y'a un mec à droite aussi, regarde. Où ça? Ouais, il me fait mal. C'est cool, il est là-bas. Il est où le VIP? Ah, il est là. Attends, j'ai pas tué. À gauche dans la voiture. Ah, c'est bon, j'ai tiré à travers. Comment ça, à gauche dans la voiture? Ah, j'avoue. Ah, putain, un peu pêche à son occupe. Non, c'est peu pêche. Oups. Bon, bah on se laisse dès qu'on est au prochain silo. A tout de suite. Donc on pense que le machin blanc. Ouais, on pense que le machin blanc c'est un silo là. On sait pas trop ce que c'est. Ah non, mais je le vois, mais non, mais on est con. Regarde, va tout droit, il est là-haut. C'est pas le machin blanc, regarde, on tourne, fais un demi-tour. 180. Je l'ai vu. Tu vois ou pas? Il est là-bas. Ouais, mais non, mais on est con. C'était juste à côté. Bon, tu t'approches, tu essaies de l'avoir avec les mitrailleuses de l'avion. On en parle de ça. Vas-y, passe dans l'explosion.
Mitraillage, mission annexe. Ah non, je pensais que ça avait donné un une mission annexe parce que. On avait détruit les silos, mais non. C'est pas ça passé dessus. Ouais. C'est demain, je pensais que c'était lundi. Ah d'accord. Voilà, donc on a détruit tous les silos, les gars. Ah, c'était mitraillage la mission. Pour détruire tous les silos, bah si, en fait, Donc 200 de RP parce qu'on a libéré tous les silos. On est bientôt à la mort de John. Tu penses que la vidéo est assez courte? Ouais, on a juste détruit quelques silos en vrai. Y'a moyen on fasse un expert? Vas-y, on va faire. Grâce à Armstrong, on va placer un marqueur, on va essayer de faire la mission. Donc, comme d'habitude, on vous épargne. Les déplacements, on va directement faire la mission de Grace Armstrong. Essayez de me poser. Et du coup, on va se laisser ici. Tu vas essayer de te poser, tu veux qu'on aille en voiture? J'ai envie de me poser, non, j'ai envie de me voir si j'arrive à me poser, genre n'importe où comme ça, au calme. Vas-y, essaye, je coupe la vidéo si t'as réussi ou si t'as raté. Ça passe, je vais me poser, mais il y avait tous les trucs. Ah, d'accord. Bon, bah, du coup, on se laisse. Go. Ouh, vas-y, oh. Moi je. C'est vers où la mission, c'est vers là. Vas-y, moi j'active pas. Ouais, je vois. Vas-y, moi j'active pas, mec. J'attends le dernier moment pour activer le wingspeed. Genre maintenant. Mais moi je suis juste en dessous du truc. Tu vas être trop loin de votre partenaire. Ah, je suis rouge. Ouais, Ah, mais non. C'est que toi t'as activé le wingspeed, toi. Donc du coup. Ouais, je me rapproche de toi en plus, c'est bon. Je passe ici. Bah, si elle attaquer, faut la sauver. Go. Oh, je suis dans une tyrolienne là. On a déjà fait ça, Axel, non? Non, on l'a pas déjà fait, je t'assure. On était passé à côté, on l'avait tué, mais on l'avait pas sauvé. On avait tué tout le monde, mais on l'avait pas sauvé. Et j'avais dit, on le garde pour la vidéo. Merde, pourquoi je peux pas avancer? C'est bon. Zbray, lui, il aura tout pris dans la gueule, lui. Voilà. Alors, elle est où la meuf? Elle est tout en haut. Ah non, c'est toi qui es tout en haut. Bon, la meuf aussi, je crois. Je suis dans l'église, moi. Ah, il y a un portrait de. Du prêtre. Comment on monte? Il y a un escalier, quelque chose? Ah, il y a une échelle. J'ai pu me le dire. Région de Lamb en food. Ouais, bon. Attends, je la recrute. Dorian m'appelle tout à l'heure. Ok. Mais non, mais la tape pas pendant que je lui parle. Mais Axel. Ouais. Ça reset le dialogue en fait. Feu. Mais mec, fais pas ça, elle va mourir. Enfin, je vais devoir la réanimer, ça va remettre le dialogue à zéro. Mais t'es chiant. Oh, j'ai mis le feu à l'église. Oui. Mais oui, mais mec, mais tu m'as tué, mais t'es relou, mec, pas en vidéo. Je suis mort. Mais t'es sérieux là? Mais mec, mais dans Far Cry le feu c'est totalement abusé, va viens me rire. Mais du coup on va voir le dialogue qui va être remis à zéro. Mais non, mais viens me rire. Attends, j'en ai mis elle parce qu'elle va mourir plus vite que toi. Putain, mais t'es chiant mec, à chaque fois tu fais ça. C'est rigolo. Mais non, pas en vidéo mec, on perd du temps là. C'est bon là. Ah c'est bon, ça a pas reset le dialogue. Je peux le refaire du coup? Non. Au bout d'un moment, ça va le faire, ça va être chiant. Ok. Grâce sous les balles, donc mission principale. Grâce. Ah, non, parce que leur drogue, c'est la grâce. Ça s'appelle comme ça? Je crois. Ah non, mais ouais, c'est mais t'as. Grâce. Ah oui, Grace. Donc, ça, c'est la tombe de son père qu'il faut défendre. Et ça, c'est la tombe de des héros de guerre. Et ça, c'est un crucifix. En gros, faut défendre les bombes, en fait.
On va go. Ils sont là, j'en vois un. En fait, c'est une simulation de la police de Marseille qui doit défendre les jeunes profanateurs de tombes là. Ah, je prends méga cher. Ah, voilà, je suis mort. Pépèche, tu crois venir me réanimer? Ah, t'es mort aussi, très bien. Moi qui pensais que ça allait être vite fait la mission, je vais juste me retuer. Il y a des putains de mecs en mitrailleuse lourde, c'est relativement conséquent comme attaque. J'ai passé ma vie à dire oui à tout ce qui se présentait à moi. Bah, vu sa gueule, je pense que ça l'a pas arrangé. Hein. T'es au courant que. Vas-y, attends. Maintenez machin pour suivre, ok. Utilisez la tyrolienne. J'y vais avec mon pompe sur la route directement, tu vois. Ton pompe sur la route? Je sais pas si c'est une bonne. Vas-y, vas-y. Après, j'irai m'acheter des armes, on terminerait. Ouais, je sais pas si on terminera la vidéo sur. Mon achat d'armes. Moins 2. Attends, y'a un mec à la grosse batteuse. Ah, vas-y, tu veux, merci. Ah, moi je compte pas, c'est que je tue, j'en tue tellement. Mais moi c'est que je rigole. Enfin, je compte, mais mon nombre de balles en fait. C'est important les balles en fait. Y'a des mecs, ils essaient de faire le tour. Genre, ils nous attaquent pas nous, ils attaquent directement les trucs qu'on doit défendre. Tiens, passe sur Pépé. Y'a un mec là. Putain, heureusement qu'il y a la visée auto. Ah putain, il m'a tué quand même. Il est où ce bâtard? On dirait arrêt. Ils sont partout. Ils essayent d'avoir directement les tombes, regarde, ils se cachent là. Le pêche est mort, j'ai rien. Des renforts, c'est où le sud-est? Il y a l'est et y a le sud, bah c'est là. Y'a pas des balles à un endroit? Bah tu récupères sur les cadavres. Ouais, mais c'est mission de fiable. Depuis tout à l'heure, j'ai perdu 10 balles. Et ils sont relous. Ils viennent pas au combat, mec. Ils fuient. Du coup, y'a le lance-flamme qui casse les couilles là. Clairement, je dis. Exécution. Ouais. Lance-flamme. Y'a un mec là. Ah non, mais y'a un autre lance-flamme. Parlez à Grace. Ah, c'est bon. C'est bon, parler à Grace. Y'a un mec là. Il est en retard, mec. T'as tué l'enfant? Tu veux l'enfant? Ouais, il vient de mourir, bon, ouais, là je l'ai calciné. D'accord. Je vais aller parler à Grace. Ça brûle de partout ici. Hein. L'enfant il a fait un souffle à 10 000 km de. Oh, attends, on va lui parler. À cause de l'enflamme, hein, je tiens à le dire. C'est totalement abusé le feu dans Far Cry. Bah regarde. Ça a brûlé les 10 fois, là, ça a brûlé les gros. Ah oui. Je suis dans l'église, au revoir. Ça va les gars? Je suis une messe. C'est bon. Attends, je fais la messe. Avel me donnait son. Je fais la messe, bah, très bien. Voilà, grâce sous les balles terminé. Donc tu les vois les missions qui est marquées terminées et tout. Ouais, moi je suis la messe. Ah, je suis à. Attends, je vais te dire, mec, je vais te dire. Je suis sûr que tu vas halluciner. Pour la libération de John, je suis à 12 650 sur 13 000. Donc là. C'est où c'est où le hangar pour trouver Mike? C'est le mec, il est là, c'est ça son avion. Ouais, c'est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'à la prochaine vidéo, les gars, on va cesser ici pour cette vidéo. La prochaine vidéo, on fait le dernier expert. Donc là, quand vous avez vu de la région de John, tous les avant-postes, toutes les propriétés détruites, il manque plus qu'un seul expert. On fait le dernier expert dans la vidéo et on va tuer John. Puis mec, il y a un avion, il m'a arraché au moment où je fais mon outro. C'est sérieux. Donc je disais, bon, c'est un hélicoptère. Et on va aller tuer John dans la prochaine vidéo. Donc c'était Berserk, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se laisse pour la prochaine qui va être épique. Allez, à plus.